Bon, je suis revenu en haut. Oh, tu peux monter? Ah, je suis pas tout en haut encore. Ah, ouais, putain de merde. Oui, oui, t'inquiète. Je fais le même truc. Oh. Ah, ouais. Vas-y, fonce. Je crois que tu. Ouais, t'as le temps. Ah, fais gaffe, il revient l'autre. Il y a trop de drones à l'intérieur. Vas-y. Fais gaffe, attends. Là, t'attends. Tu t'attends ici. Ouais, faut lui, Le drone 7, c'est à fréquence 540. Bah t'as tout en fait. Bah ouais, j'avais pas fait gaffe. En principe, t'as la bonne fréquence. Je joue à droite. À droite, ouais. Je sais pas si je veux lancer devant lui, du M ou pas. Ah non, d'accord. Oh, tu l'as. J'ai vu, t'as lancé un truc là, je sais pas quoi. Bah, mais je sais pas comment ça. Bienvenue à l'hôtel Marina Bay Grande. Trouver les deux chambres dans lesquelles Cypher a séjourné et récupérer les coordonnées de la bombe sur le. Ouais. Ça va. Donc c'est le même 540. Je sais pas si faut que je le pose et que je passe dedans en même temps qu'il passe le drone, je sais. Tu peux peut-être essayer de le poser dans le coin, hein, il pose dans le coin de toute façon. Oh t'attends. Je te le dis hein, de toute façon. Ah ouais, on peut le faire exploser, d'accord. J'attends qu'il revienne. Il est. Ouais, mais t'inquiète, je le vois. Hein. C'est bon. Vas-y, fonce. À droite, hein, de toute façon. Ouais, tout cas piraté, d'accord. Connecté. J'espère que le robot il va se réveiller comme ça d'un coup. Ah, moi je le vois, au pire. Ah bon. Oh putain. Je suis quoi, je suis les rouges, moi. Ah, moi je suis bleu, du coup. Tu peux enlever, ouais. Vas-y, remonte-le. Voilà. Là tu peux mettre la clé. Ah d'accord, tout ça pour Bah on dirait, c'est pour nous faire peur on dirait. Ouais, il est toujours pas réveillé le drone. Bon ça va. Là t'as la première bombe. Un proxy SB2. Coordonnées 98 86 47. Les coordonnées? Ouais. C'est quoi? 98 86 47. Ok. Faut aller à l'autre directement du coup. Ah déjà? Ouais. Parce que je peux pas. En fait Attends, fais gaffe. Ouais c'est bon. À et gauche. Faut descendre. Fais gaffe, ouais. Fais gaffe, y'a l'autre qui arrive dehors là. Oh putain, ça a quitté là. Ouais. C'est à l'étage juste en dessous, je crois. Attends, j'enlève l'étage là parce que ça me gênait. Ouais. Ah, juste là où il y a le. Faut que je te donne un IUM aussi. Ouais. Fais gaffe. Ouais, fais gaffe. 160. Voilà. Et il faut que tu vas au niveau de la porte, tu peux te cacher à droite. Vas-y. Et t'essaies de balancer l'UM vers lui. Voilà, c'est bon. Il est dessus. Voilà. Et là, tu peux y aller. Et tu vas à droite et il y a une porte. C'est le même schéma de. Ouais, d'accord. Ouais. Oh, bah. Ouais. Hop, voilà, c'est bon. C'est débile. J'ai juste besoin des coordonnées, du coup. Et comme ça, je peux faire localiser. Alors, 30, 23, 50. Localiser. Bien joué, les agents. Nous savons maintenant où la bombe a été placée. J'envoie maintenant une équipe pour encercler la planque de Cypher, pendant que vous vous rendez sur Dragon Island pour neutraliser la bombe. C'est au parachute. Ouais, utilisez votre vision réseau pour localiser la bombe. Là, ça, là je sais pas, oh, ça peut compliquer, je le sens. Pour les Wi-Fi, emblème du Lion, pour les Wi-Fi, espace de stockage, putain. Nœud de réseau, drone de la ville. Il y a deux drones de la ville.
Il y en a 3. Je sais pas ce que tu fais. Je sais pas, je vois, j'ai une vision réseau, je vois des nœuds de réseau dans la ville. Fais gaffe, il y a un drone. Derrière toi. Il vole au-dessus, je crois que tu le vois. C'est bon, ils peuvent pas me voir. Localiser, accéder à la cyberbombe. Je sais pas, il y a des. Je sais où est la bombe. Elle est où? Dans le bâtiment principal. Là où tu regardes? En plein milieu, ouais. Pour l'ouvrir, c'est ça. J'ai besoin. Propriété privée, c'est interdit. T'as un truc rare de. Attends, c'est quoi? C'est grille de fruits de mer du Captain Tribord derrière toi. Le bâtiment? Ouais. Non, pas le bâtiment, c'est un truc au centre de la place là, là où t'es, ouais. Y'a un truc ici. Il me faut la fréquence, ouais. Un émetteur de la même fréquence doit être à proximité pour se connecter à ce nœud. J'arrive pas à me connecter. 638 GHz, la fréquence du réseau. Il faut que je trouve. Je crois qu'il faut que je trouve un truc qui soit pareil que ça. Attends. Émetteur de la même fréquence doit être à proximité pour se connecter à ce nœud. Casseur de mot de passe. Non, je sais pas, je peux craquer des mecs. Bah, moi je sais pas. Ah, mais c'est moi les drones, je peux regarder. Échec. J'ai le nom des visiteurs, mais je sais pas quoi ça sert. Mais quoi là? Il y a des trucs relais wifi et tout à scanner. Peut-être que ça m'aiderait, il faut que je trouve un truc qui soit de la même fréquence en fait. Bon, ouais, ça un émetteur de la même fréquence. Il doit être à proximité pour se connecter au nœud. À part craquer des mecs là, je. Il me faut une fréquence de 138 GHz. Ah, ok, c'est bon, ouais, c'est bien ce que tu fais. Je peux cliquer sur les noms et ça me donne des fréquences en GHz. Les fréquences de transmission. Ah. Reviens là où le bâtiment principal, là où il y a 3 mecs. Est-ce que tu vois le mec qui s'appelle Azel Sniman? Ouais. Ça c'est lui. Je crois qu'il faut que tu le hack. Apparemment. Attends de la première tentative. Ouais. Ah ok, ça c'est ok. Deux chiffres corrects et deux chiffres corrects dans la mauvaise position. Pareil. Oh putain, pour chier. Ça fait quoi, hein? Pareil. Ouah. C'est avec des 1 et des 0? Bah ouais. Voilà. Ah bah, c'est bon. Si j'ai Ah, je peux me connecter du coup. Le spectacle est animé. Système d'animation de la rue. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. La porte est verrouillée. Là, je t'ai déverrouillé la porte. Ah. Je crois que j'ai fait un feu d'artifice ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y a une porte. Ah bah. Alors. Complexe hein, quand même. Déjà c'est déjà pas mal. Ça je peux le mettre au fond. C'est compliqué hein. C'est bon. Ah d'accord. Faut que je bloque ton truc là.
En fait, la clé, elle est juste là, mais ça bouge aussi celui-là. Il faut que je bloque avec le bleu. Ah, il y a le truc en bas aussi, putain. Vas-y, lâche. Attends deux secondes. Prends la clé, prépare-toi à prendre la clé. Là, le rouge, tu... c'est bon. C'est ça ? Non, 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 à gauche. À quoi ? À gauche. À gauche. Ah, la, ah, la clé. Attends, là, attends, attends, attends. Là, tu peux lâcher le rouge, il sert plus à merde. Ouais. Non. Moi, je galère avec les trucs comme ça. Là, c'est bon, tu te prépares. Attends, attends. Attends. Ok. Hop, c'est bon, vas-y. À fond. Fallait que je bloque du coup. Non, 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 non. Ça bouge aussi celui-là, sûrement. Oh putain. Ouais. Comment on peut faire ça? Ah ouais, il y en a deux. Vas-y, va sur la gauche. Tu peux pas. Il a bougé là, t'en bas là. Voilà. Parfait. Et du coup tu peux pas le mettre au-dessus de mon truc là? Ah non, je peux pas. Ah merde. Juste comme le temps. Bah attends, 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 attends. Comme ça. Et tu laisses le bleu aller là-bas. Moi aussi, ça passe aussi. Ça devrait aller, je pense, comme ça. Bah, je sais pas, le 2, ça fait quoi le 2 là-bas? Ouais, ça bah, c'est bon. Tout. Ah, faut pas qu'il touche un bleu ou un rouge, quoi, c'est tout. Les bords, on s'en fout. Bah, je vois le coffret de la bombe. Vous avez trouvé la bombe, mais ouvrir le boîtier déclenchera l'explosion. Trouvez le commutateur à distance pour désactiver cette protection. Le commutateur à distance. Attends. Ah. L'interrupteur à distance de la bombe est dissimulé. Ah, c'est bon. Attends. Faut que tu vas. Faut que tu sors. D'accord. Faut que tu vas. Ouais, à droite. Au fond, là, t'as le truc pour aller là, scanner. Ouais, là. Scanne-le bien, t'es. Ouais, c'est bon. Là, je peux me connecter. Hop, et là. Ah, il y en a un autre. Tu l'avais déjà scanné en plus. Hein? Tu reviens dans la ruelle, ouais, tu vas tout droit. Là, le truc. Tu vas dedans, ouais, voilà. Reviens à la grande place, faut que je fasse des trucs, mais faut que tu sois à côté. Ah, y a des. Quoi, les drones? Attends, piratage en cours. What? Les drones, ils sont fait pirater par Cypher. Oh putain. Le spectacle est animé. Ouais, mais faut que tu te rapproches. Derrière toi. Le truc derrière toi, le. Ouais. À droite, et t'as le truc là. Fais gaffe au drone. Non, ouais. En principe, c'est ici. Non, t'as un drone. T'es où? Bah, je suis là. Ah. Les drones, ils ont des zones. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. C'était quoi? C'était un mec. Ah d'accord, il y a des mecs carrément. Bah il y a un mec qui a une plus grande zone. Utilisez votre vision réseau pour localiser la bombe. Et je comprends pas... Ah! C'est quoi ça? C'est ça le bouton? C'est ici qu'il y a le bouton peut-être. Vas-y, va tout droit, suis la ruelle. Ah mais le mec il traîne un peu à gauche. Attends, attends, reviens. Va à gauche. Vas-y. Fais gaffe au drone. À droite, mais il y a le mec. Il ouais, revient. Chelou, là. Ouais, mais c'est lui. Mais fais gaffe, faut pas que tu sois trop près. Donc t'attends. Non, non, mais tu peux pas faire le tour, il va faire demi-tour. Bah, non, non, reviens. Vas-y. Vas-y là-bas, et à gauche t'as un truc là, rouge, je sais pas quoi. Non, non, derrière. Un truc rouge, what the fuck? Je sais pas ce que c'est, je vois plus avec les drones. Vous avez t'as trouvé un la truc, bombe. Utilisez votre vision réseau pour localiser la bombe.
ça c'est, je sais pas, c'est peut-être un bouton, je sais pas. Mais c'est là où le mec il traîne quoi. What the fuck. C'est, je sais pas comment te le dire, t'as une sorte de... Une construction, un petit truc là, je sais pas. Une poubelle, j'en sais rien. Un poteau. Je sais pas ce que c'est, moi je vois... Fais gaffe. Là t'es pas dans sa zone, ça va. Ouais, là, derrière. Bien. À ta gauche, ouais, juste à ta gauche. J'ai piraté un mec, j'arrive pas. Faut que tu pirates un truc. Non, j'ai piraté un mec, ça fait gaffe. Ah. La porte est... La porte de quoi, ouais. Fais gaffe. Tranquille. C'est pas un mec... Alors, en fait, à côté du... C'est... Ils sont sur les bancs, les mecs. Ah, t'es trop près. Les mecs ils sont sur des bancs. Ouais. Vous avez trouvé la bombe. C'est juste. Mais à leur gauche. Le boîtier déclenchera l'explosion. Trouvez le commutateur à derrière eux, juste à leur gauche, t'as un truc. Protection. Je sais pas, c'est un stand de glace quoi. Fais gaffe, y'a le drone. Oh, c'est bon. Ah bah. Ça va bien. Et passer juste à côté de toi, mais à la vous limite. Vous avez trouvé la bombe. Mais ouvrir le boîtier déclenchera l'explosion. Trouvez le commutateur à drone, distance pour désactiver cette protection. Ah mais il y a une zone aussi, mais plus petite que le mec. C'est pour ça que tu m'avais jamais chopé avant. Le mec il revient mais... Ah la théorie... Oh putain le bâtard. Je sais pas pourquoi ça m'a... Mais là ça m'a mis que je peux enlever l'interrupteur donc c'est bon. Ah d'accord. Vous avez trouvé la bombe. Mais ouvrir là, je peux, le boîtier déclenchera l'explosion. Du coup faut que tu vas à un autre relais wifi qui est vers le mec. Un autre relais wifi qui est vers le mec. En haut des escaliers. En haut des escaliers là où il va. Faut que tu passes quand il est pas là quoi. Ah oh, ouais. Mais, là il y a deux drones qui arrivent là. Fais gaffe. Je sais pas comment faire. Il me voit quand même quand je passe derrière lui d'accord. Ouais vous même derrière c'est une zone en cercle. Mais ouvrir le boîtier déclenchera l'explosion. Trouvez le commutateur à distance pour désactiver cette protection. Je sais pas où il est, la meuf à la conne. Il revient vers le banc là, il va derrière le bâtiment. Mais les drones ils arrivent du coup. Ah t'en as un surtout. Là tu peux y aller. Là t'as le mec. Ouais. Faut attendre qu'il fasse demi-tour et tu pourras y aller à la limite. Ah mais y'a le drone qui arrive. Non t'inquiète, faut juste que tu passes, vas-y, longe le bâtiment en face de toi, ouais voilà, et vas-y, monte l'escalier. Et là t'as scan, voilà. C'est bon, tu peux retourner à la bombe. Là tu peux passer par là, si tu peux passer par la droite. Attends, bah là, ouais le drone il continue, c'est bon. Là tu peux passer, tu peux aller à la bombe. C'est quoi maintenant, je joue ? Ouais. Ça y est, le moment fatidique. Désamorcer cette bombe et sauver le monde. What the fuck, man? Ouais. J'ai un module nécessaire. Ce module nécessite un code d'accès. Oh, maintenant, pour faire pivoter, j'arrive pas. What the fuck? Dernière étape, câble. C'est ça. J'ai des ports réseau, j'ai. Charge électrique. Nombre de lettres dans le numéro de série. Les câbles, j'ai des connecteurs. Numéro de série, il y a 5 lettres. Est-ce qu'il y a des pictogrammes là de flammes? Alors. Il y a un pictogramme de flammes en effet. Et à côté, t'as pas un numéro ou... Non, pas à côté du pictogramme en tout cas. Ah, ok, bah. Du coup, c'était le numéro de série, c'était 5. 5 chiffres, 5 lettres. Ouais. J'ai des pictogrammes et des lettres. Ah, des lettres, des chiffres. Ouais, 63, 72. J'ai 4 chiffres dans la bombe. Ouais, mais je veux dire, à côté des pictogrammes, j'ai un chiffre pour 3 pictogrammes en fait. What? Par exemple, le pictogramme de flamme, j'ai un 3.
D'accord, bah, mais il faut 4 chiffres aussi. Il te faut 4 chiffres. Ou 3, mais il m'en faut plusieurs. 9084. Sûr. Bah, essaye. 9, 0, 8, 4. Ouais. C'est quoi ça? Il faut ça, c'est un truc. Il faut le chiffre du. 3, le chiffre du truc explosion, les flammes. Flamme ou la bombe. Flamme. La bombe aquatique là, on dirait un truc. Non, flamme. Des mineurs là. Flamme. La flamme. Bah, le 3. Après, il me faut la bombe aquatique, le truc bleu, là, on dirait un truc scientifique. Et le dernier, 8. C'est bon? Non, c'est ça. C'est quoi le truc scientifique là? C'est. Attends, il est où? Il y a un anneau autour? Ouais, comme une planète quoi. Ah, mais moi, tu m'as dit la bombe aquatique. Ouais, tu m'as dit bombe aquatique, je dis ouais. Ah, moi, c'est pour le truc de des mineurs là, une mine aquatique. Non, non, c'est une planète. C'est en deuxième. La bombe planète. Aquatique, non, c'est en troisième. Ah, bah, 3, 8, 9 du coup. Ça c'est fait, et maintenant? Ah, maintenant j'ai des connecteurs, un point réseau, je sais pas quoi, là, un port réseau. J'ai des ports réseau aussi. Et après, je vais mettre un truc avec des chiffres, des réglages. Trouver le seul numéro non cyclique dans chaque colonne. On va faire ça après. Pré-réglage des paramètres. Ouais. J'ai des symboles. J'ai. Moi aussi, j'ai des symboles en effet. En premier, deuxième, troisième. En premier, j'ai. Comment t'expliquer ça? Un trait vertical. En fait, c'est comme un T à l'envers en fait. À part que le trait horizontal il est un peu plus long. D'un carré en dessous. Et ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, c'est le, le deuxième, c'est un C à l'envers avec un trait en dessous. C à l'envers. Oui. C'est un C rectangulaire, mais ouais. Il est retourné dans l'autre sens. Avec un trait en dessous, du coup. Bah, ouais, je pense que c'est ça, ouais, je pense. Ah, ouais, d'accord, c'est un C avec un trait seulement. Ouais, juste un trait en dessous du C. Troisième. À l'envers. Le troisième, c'est. On dirait presque un chemin de labyrinthe. C'est genre, il y a un L inversé aussi, comme le C, c'est un L. Et deux petits L. Et t'as. Ouais, c'est ça. J'ai un passcode. Pourquoi c'est passcode? Attends. J'ai un truc à 5 chiffres. Ah, ouais, peut-être pour le port réseau, peut-être. Je vais te le donner, 28-108. Merde. 28-108. Alors, si le port 1. Ouf, c'est le port 1, la valeur la plus basse. C'est rouge. Tu vois qu'il y a des trucs avec les ports? Ouais, j'ai des trucs avec des ports qui. Les chiffres ils changent sans arrêt. Ah. Ouais, c'est quoi le site port 2 à la valeur la plus élevée, c'est lycée bleu. Port 3 est le seul nombre impair, c'est lycée vert. Port 4 est le seul nombre pair, jaune. Ouais, je comprends rien. Ça dépend de tes valeurs, moi je sais pas c'est quoi. Mes valeurs changent sans arrêt. Savoir si le port 4 c'est toujours un nombre pair. En gros, en dessous de mon port 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nombres qui changent sans arrêt. Ouais. Ça change sans arrêt. Et le port 3 ou 4, c'est pas impair ou pair? Il y a des chiffres pair et impair. 2. Ah, j'ai l'impression, ouais. Le port 2, normalement, c'est une valeur plus élevée. Voilà, valeur plus élevée, j'ai un 988, après je sais pas. Vous avez pensé la valeur plus élevée entre tous les ports. 985. Je
Je, franchement. Et le premier, c'est plus bas. Je vais te montrer quand même. Premier bas, deuxième élevé, troisième impair, quatrième pair. Regarde le stream et regarde les ports en bas à gauche. Je comprends rien. Alors ça, il n'y a pas un port où tu as le chiffre le plus élevé. Ah, celui-là, il bouge pas. Ah bon, c'est qu'il bouge pas après. Là. Ah bah c'est moi qui est con, on le fait juste ça. Bon bah voilà. Le port numéro 1 c'est le plus bas, le deuxième c'est le plus haut, et le troisième c'est impair, le quatrième c'est pair. Ok. Le deuxième c'est pas le plus élevé, déjà. D'accord, c'est mort, d'accord. Le quatrième c'est quoi? Pair. Il est pair. Et le troisième impair. Il est impair. Ouais. Pour moi il doit être le plus basse. Non. D'accord, on se retrouve vers les jaunes nouveau. Le deuxième, c'est pas la valeur la plus élevée. Hein. Donc c'est entre pair et impair, c'est comment? Les deux. Le fait que le port 3 il est impair, ça c'est si. Sûr, et j'ai le port 4 il est pair. J'ai qu'un choix à faire. Entre le 1P et le PA. Ah mais c'est écrit quoi dans les trucs consignes que t'as hein? Ah c'est ça, si le port 1 est la valeur la plus basse, je peux laisser rouge. Si le 2 la valeur la plus élevée, le 3 c'est un nombre impair, le 4 c'est un nombre pair. Je peux choisir la couleur. Peut-être les deux. Je peux pas, j'en mettre qu'un je crois. Ah. Peut-être il faut avancer dans les autres étapes. Quoi? Peut-être. Tu as pas d'autres étapes. Le bouton d'allumage? Le bouton d'allumage. Il me faut le nombre de broches dans le connecteur. Nombre de broches dans le connecteur. Ouais. Attends. Le truc qui va jusqu'à 9, c'est... il y a 9 broches ou? J'ai 3, 4, 5, 6. Bah c'est compliqué du coup. Nombre de bourgeons et connecteurs. Je sais pas si j'appuie dessus ou pas. Je sais pas sur quoi tu peux appuyer. Bah je voulais juste appuyer en fait. Là c'est ça juste un bouton, c'est... fallait que tu me dises le nombre de branches. Bah je vois pas de branches. Et j'avais la réponse et je vais te dire ce qu'il fallait faire. Je ne vois pas les branches. Ah, c'est les branches qui sont en haut, d'accord. 2, 8. 3, 7, 2, 8 pour le truc à 4 chiffres. Quoi, 3, 6 7, 2, 8. Ah ouais, mais tu parles du réseau. Ouais, bah le décrypteur de code d'accès, là. 3, 7, 2, 8. Faut savoir, 3, 7, 2, 8. Ouais. Oh putain, mais tu me donnes tous les 5 chiffres, après j'ai l'impression que... 3, 7, 2, 8. Ah, les inscriptions de merde encore, ils ont changé ou pas? Il faut la planète, ça. Il y a combien de numéros tirés et de lettres? Je m'en fous. 5. 5. Tu veux la planète en premier? La planète en premier. 2. D'accord. Il faut la bombe marine. 9. Et 5. Et après les flammes. 5. Alors, bah on va faire le pré-réglage, ça va aller vite. Le L, même quand j'avais dit que c'était un labyrinthe, avec les deux petits L, en premier. C'est bon. En deuxième, c'est un genre de truc de battement cardiaque, là, le truc qui monte et qui descend. Ouais, pour voir si t'as pas envie, en effet, après. Ouais. On dirait un R, mais il manque le trait à gauche. Genre, c'est un R pas qui, ouais, qui a bon. Mal commencé. Réglé. 90, 891.
Alors, 10 891. Bah alors, si le port 1 a la valeur la plus basse, bah, c'est le même en fait. Elle n'a pas la valeur la plus basse. Le 2 c'est élevé. La valeur la plus élevée. Le 3 c'est impair. Il est pair. D'accord, c'est bon, le 4 il doit être pair. Il est impair. En fait c'est plus simple pour moi, c'est bleu. Fini. Nombre de connecteurs. Et ah, de broches plutôt. Ça doit être 6. Nombre de broches dans le connecteur 6. Ouais. Appuie sur le bouton lorsque le dernier chiffre de la minuterie est 4 ou 9. Ah, du coup je vais mettre à 9. Quand le dernier chiffre de la minuterie est 4 ou 9, tu appuies sur le bouton. D'accord, parce que j'ai bien compris, ça va être 9 alors. 4 ou 9. Voilà, 9. Les deux. C'est fait. Voilà, c'est bon. Ouvrir, derrière la top. Ah, c'est où derrière la top? Découper les câbles. Ouais. Une seule position est correcte. Si le fil vert est adjacent à un fil jaune, couper le fil bleu supérieur lorsque le circuit 4 oh. clignote. J'ai pas compris. Si le fil est à côté d'un fil jaune. Ouais. Un fil vert est à... Si le fil vert est à côté d'un fil jaune, coupez le fil bleu supérieur ouais, marrant, lorsque le circuit 4. Si le... les deux fils rouges sont côte à côte, coupez le fil vert lorsque ouais, le circuit 4. Si un fil bleu est à côté d'un fil vert. Ouais. Coupez le fil jaune lorsque le circuit 2 clignote. D'accord, bah je crois que c'est ça alors. Attends, je retourne un peu. C'est bon. 13 secondes. C'est bon, voilà. Sinon j'avais une quatrième phrase. Okay. Ça va aller. Cypher, t'es fini. Et peut-être vidéo. On a fini le jeu. Bah ouais. Là j'ai une canne carrément. Va tranquille hein. Ah c'est pas fini, encore un méchant. Bonjour les agents. Voilà.